Disons que c'est moi à l'âge de 33 ans. Donc maintenant. Allons un peu dans le futur et disons que ici c'est toujours moi, mais à l'âge de 66 ans. On ne voit pas vraiment de différence, mais disons que là j'ai 66 ans. Et disons que c'est encore moi ici, mais cette fois-ci à l'âge de 99 ans. Peut-être qu'entre-temps je me serais un petit peu voûtée et que je marcherais avec une canne, mais disons que je suis encore en vie à 99 ans. Et disons que je vais voir mon médecin. Bon, peut-être que ça sera des médecins différents, mais disons qu'à chaque fois on prend ma pression artérielle. Je sais qu'actuellement ma pression artérielle est à peu près 120 sur 80. Et si je vais dans le futur et que on reprend ma pression artérielle à l'âge de 66 ans, peut-être que entre-temps elle aura augmenté. Disons que elle est à présent de 150 sur 90. Et si on reprend ma pression artérielle à l'âge de 99 ans, cette fois-ci on va peut-être trouver 180 sur 105. Parce qu'on sait que la pression artérielle a tendance à augmenter avec l'âge. Peut-être qu'elle augmentera pas aussi vite. Tout dépend de mon mode de vie, de mes habitudes, de ce que je mange, de l'exercice que je fais. Mais c'est possible qu'à l'âge de 99 ans, ma pression artérielle ait augmenté à 180 sur 105. Si on regarde ce que ça représente en termes de pression artérielle moyenne, on sait qu'on passe un tiers du temps à chaque battement de cœur en systole et deux tiers du temps en diastole. Donc actuellement, ma pression artérielle moyenne est à peu près 95. Si je calcule dans cette situation-là, on trouve un tiers de 150 plus deux tiers de 90, ça fait 110. Et dans ce troisième exemple, un tiers de 180, deux tiers de 105, un tiers de 105, ça fait 35, donc deux tiers 70 plus 60, ça nous donne 130. Tout ça en millimètres de mercure. Et si je compare maintenant ce qui se passe avec la pression veineuse moyenne, si on la mesurait à la fin de la circulation systémique, juste avant que le sang retourne au cœur du côté droit du cœur, on sait qu'elle est à peu près 5 millimètres de mercure. Et disons qu'elle ne change pas beaucoup avec le temps. Avec ces valeurs, on peut calculer la différence de pression entre le début et la fin de la circulation systémique. C'est la différence entre ces deux valeurs. Donc ici, ça nous donne 90, et là 105, et ici 125. Et ce qu'on sait, c'est que ce delta P est égal au débit cardiaque multiplié par la résistance totale de la circulation systémique. Disons pour simplifier que mon débit sanguin est toujours le même, à peu près 5 litres de sang par minute. Le débit cardiaque, c'est la quantité de sang éjectée à chaque battement de cœur multiplié par la fréquence cardiaque. Donc si on a à peu près 70 millilitres de sang éjecté à chaque battement de cœur pour un adulte moyen, et avec une fréquence d'à peu près 70 par minute, on sait que ça nous donne en gros 5 litres par minute. Donc maintenant, en utilisant cette équation, on sait qu'on peut évaluer la résistance totale de toute la circulation systémique en faisant le rapport de delta P divisé par Q, ce qui nous donne dans ce cas 18. 105 divisé par 5 ici nous donne 21. Et 125 divisé par 5, 25. Peu importe les unités de la résistance, elles sont toujours un peu compliquées. Donc en faisant certaines hypothèses, comme l'hypothèse que la pression veineuse et que le débit cardiaque ne changent pas avec l'âge, ce qu'on constate, c'est que la résistance de la circulation systémique augmente avec l'âge. Et ici, on fait un peu de place maintenant pour comprendre d'où vient cette augmentation de résistance avec le temps. Eh bien, c'est à cause d'un ensemble de phénomènes qu'on regroupe sous le terme d'artériosclérose. Quand on parle de sclérose, c'est un terme qu'on peut utiliser pour différents organes. Ce qu'on veut dire, c'est que cet organe devient plus fibreux. Eh bien, pour les artères, c'est ce qu'on constate avec le temps. On sait que dans la paroi des artères, on trouve des fibres de collagène. Il y a aussi des fibres d'élastine, surtout dans les artères élastiques, qui sont les grosses artères de l'organisme.
Eh bien, avec l'âge, non seulement la quantité d'élastine va en diminuant, on a moins d'élastine. Si je représente ici une de mes artères à l'âge de 99 ans, on voit qu'il y a moins d'élastine que dans celle-ci. Et en proportion, on trouve plus de collagène. Et bien avec l'âge, la quantité d'élastine va en diminuant, on a moins d'élastine. Et si on regarde le rapport, la quantité de collagène sur la quantité d'élastine dans les parois de ces artères, et bien ce rapport a tendance à augmenter avec le temps. Et le collagène, c'est quelque chose de fibreux, c'est une protéine fibreuse qui n'a pas les propriétés élastiques de l'élastine. Il se passe aussi d'autres phénomènes au niveau de la paroi des artères, comme une augmentation de l'épaisseur de l'intima et de la média. Donc si on a une augmentation d'épaisseur de la paroi artérielle, et bien le rayon, et bien le diamètre interne de ces artères, et donc leur rayon, diminue. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui a des effets importants sur la résistance, puisque la résistance est proportionnelle à 1 sur le rayon à la puissance 4. Donc dès que le rayon diminue un petit peu, la résistance augmente beaucoup. Donc on voit qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. L'épaisseur des parois artérielles augmente avec l'âge. Leur composition en protéines change et elles deviennent moins élastiques, plus fibreuses. Il y a aussi autre chose qui fait diminuer leur compliance, c'est l'apparition de calcification dans les parois. Si on regarde de profil une artère ici, on voit de plus en plus de plaques que je représente par ces petits traits blancs qui correspondent à des calcifications et qui rendent les parois des artères beaucoup plus rigides. Il n'y a pas que du calcium qui peut se déposer dans les artères. Chez certaines personnes, on voit aussi se développer ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Athérome, ça vient d'un mot grec qui veut dire bouilli, donc ça décrit quelque chose de mou. En fait, les plaques d'athérome sont riches en matière grasse, ce qui leur donne une texture de bouillie. Il n'y a pas que des matières grasses dedans, il y a aussi des cellules, notamment des cellules du système immunitaire, des globules blancs. Mais je vais les dessiner en jaune pour rappeler qu'elles sont riches en matière grasse. Ces plaques d'athérome peuvent elles-mêmes se calcifier. Et ce phénomène en particulier, le développement de plaques d'athérome, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est le nom du phénomène qui correspond à l'apparition de plaques d'athérome dans les artères. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que ce genre de plaques se développent, et bien non seulement par leur présence, elles peuvent diminuer le diamètre interne, la lumière des artères et donc leur rayon, ce qui augmente la résistance de ces artères, mais comme avec le temps elles se calcifient également, et bien elles sont aussi responsables d'une augmentation de la rigidité artérielle. Ces plaques ne se développent pas n'importe où, elles ont tendance à se développer surtout au niveau de certaines bifurcations, par exemple là où les artères carotides communes se divisent en artères carotides internes et externes. Elles peuvent aussi se développer au niveau des artères coronaires, celles qui sont à destination du cœur, ou au niveau des artères iliaques. Et c'est un problème qui peut venir se rajouter à l'artériosclérose, qui est quelque chose de plus physiologique, c'est-à-dire qui se produit chez tout le monde au fur et à mesure qu'on avance en âge. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on dit que la pression artérielle augmente avec l'âge, eh bien c'est à cause d'un ensemble de phénomènes qui font que la résistance artérielle augmente progressivement, en même temps que la rigidité artérielle.